Bon, je vais profiter de cette petite pause quand même pour parler. Bonjour à tous et à toutes sur les et bienvenue pour le premier procès de l'épisode 3 de Apollo Justice et Saturnay, l'œil de la vérité, parce que j'aime bien ce titre. La dernière fois, dans ce dernier épisode, assez long, mais très intéressant, nous avons découvert que une personne est morte, un impresario quand même baraqué, Romain Letousse, hein, Monsieur Letousse, hein, parce que il s'appelle comme ça, qui était tué, qui nous a révélé que un témoin a observé la scène, la sirène qui est le surnom de Machine, la Mirror, voilà, j'ai retenu son nom, la Mirror, sauf que le corps a été déplacé en même temps qu'une preuve assez importante. Et le pianiste romain Thomas Cache-Cache, alors je ne sais plus le nom du pays, il est étranger en tout cas, il est jeune, il a du talent, a été retrouvé au même endroit, et tout porte à croire qu'il est le suspect numéro 1. Qu'en est-il vraiment? Nous allons pouvoir décanter une partie de ce mystère dans cet épisode. Et surtout, saga de l'été. Voilà, c'est important de le rappeler. Petite balle de 45, évidemment. La bonne balasse. Le mystère qui rôde en fait autour de ce meurtre, pour moi, c'est ce qu'il a écrit et qui a été effacé. Ouais, quasi intact. D'ailleurs, je n'ai pas pu examiner les impacts de balles sur le mur. Alors, oui, c'est là. Et la première question que je me pose, parce qu'il y a une question que je me pose directement, au niveau de la porte. Alors, je peux pas vous montrer avec ma souris, hélas, parce que j'enlève à chaque fois, mais la croix le plus près de la porte. Je ne sais pas comment l'impact s'est retrouvé là, sachant que si on trace une ligne droite, en estimant que le tout c'était de dos, et donc que le meurtrier était de dos aussi, donc derrière lui, ça aurait traversé et potentiellement pu rester. La seconde, je vais bien comprendre, mais la première, je ne vois pas. C'est un premier mystère que je soulève actuellement. Alors, je voudrais aussi revoir les preuves du dossier. Là, on joue en mode serious business. Ah oui, et une personne s'est retrouvée, malgré une sécurité quand même assez assez impressionnante, avec un revolver incroyable. Oui, la loge. Alors, il y a une entrée, mais on observait une bouche d'aération avec une échelle qui était, comme par hasard, installée juste en dessous. Donc, l'assassin a dû utiliser les bouches d'aération. C'est mieux, ça me paraît un peu plus évident qu'une bouche d'aération. Oui, j'en suis certain. Mais calmez-vous. Et voilà, le meurtre à huis clos. Et oui. Le meurtre est clos, sauf pour ce jeune gars. Voilà, Thomas, pourquoi? Parce que regardez bien l'exemple de l'aération. Ah, et le témoin, comme je l'ai... Non, pas elle, pas Emma, hein, parce que jamais. Ah oui, et Emma on n'avait rien à faire de ce qui se passait. Peut-être parce que notre cher ami Gavin, ici présent, malgré son robe de rock, et Dorian, à la coupe de cheveux plus que phallique, nous ont empêché de travailler comme il faut. Et c'est moche. Oui, je vous assure qu'il y a un personnage, il a une coupe de cheveux extrêmement phallique. Ce qui m'a perturbé. Mais elle en a marre. Elle en a marre. Elle est au bout de sa vie, la pauvre Emma. Elle avait juste faim.
C'est génial, tu m'aides absolument pas, Emma. Merci beaucoup de ta coopération non existante. Ce livre compte, oui monsieur, mais déjà, l'épreuve. L'épreuve, s'il vous plaît. Alors, nous allons déjà. Alors, on a accumulé un max de preuves. Ça, je sais pas à quoi ça me servira après. Toutes ces preuves, je vous invite à regarder l'autre épisode, le premier, pour savoir ce qu'il en est. Alors, décès consécutif, hémorragie, tu montres 21h, 21h40. Alors, Romain et tous, Nena, hémorragie, Kébra 25, temps écoulé entre blessure et décès, en cours d'estimation. Ok. La photo du crime. Alors, juste au-dessus de son doigt, vous voyez, il y a quelque chose qui était écrit. Alors, il y a un A. Moi, je vois un A, une sorte de P, un C, et moult lettres effacées après. Ce qui était sans doute effacé par je ne sais quoi. Et le schéma. Le schéma. Voilà. Donc, du coup, je ne sais pas quoi dire. Donc, pour le moment. Attaquons. Allez, alors, rappelons que son groupe de rock s'appelle les Gavidors, hein. D'accord, donc notre cher Gavin, ici présent, n'est pas content parce que j'en ai une merde parce que on a plus les clés. Oh! Mais dis donc, monsieur le juge. Alors ça, faut savoir que avant qu'on ordi tombe en panne, ce genre de séquence animée, ça ramait du cul. Je vous le dis tout de suite. On va dire que 70 € de réparation ont été bénéfiques. MDR. J'en parlerai plus tard dans le rétro un jour quand il sortira de pourquoi, comment tout ça s'est fait. Emma, elle est pas contente là. Là, elle est au bout de sa vie. Et pourquoi que le personnel en fait c'est con? Ah oui, mais moi je suis. Oui, en tout cas. Tu voulais la revoir, ouais. Et on est impliqué, salaud. Et Apollo Justice qui était là a évidemment entendu aussi. Évidemment les snacks, ah les fameux snackous. Les fameux snackous. Et bien, et voilà, elle m'implique, super. De ce style de musique incroyable, et qui ça. Oui, monsieur. Alors, c'est la première fois que je remarque ça, mais il a des. Il a une paire de sourcils énormes. Mais genre. Bien voyante. Ah oui, alors même avec le haut-parleur.
Il y a des problèmes. Oui, le rock'n'roll. Ok, donc toi t'es vraiment un sac. Gros sac. Amour coupable. Sûrement. Évidemment, t'as un alibi. Salaud. Hein. Et pourquoi seulement l'accusé? C'est la question que tout le monde se pose. Voilà, le fameux congé d'aération. Je ne suis pas d'accord. Oh, Apollo, mais ferme ta gueule. Voilà, et voilà. Et voilà. Alors, soit un enfant, soit une personne mince. Oh là là, et voilà. Et voilà, c'est terminé. Bon bah, fini. Voilà, c'était ma magnifique épisode. Surtout, abonnez-vous, pouce, la cloche, tout ça. Conjecture et autres bills de ça. Mais arrête de m'appeler grand front, j'en ai marre, sur moi comme ça. Porc-épic, grand front. C'est tellement stigmatisant. Pardon ? Stigmatisant, oui, c'est ce que je voulais dire. Mais dis donc, tu me l'as pas dit ça. Oui, des traces de... Eh, ah bah voilà, ah oui, ta poudre, à cause de ta fameuse poudre. La fameuse poudre et mascaille qui relève les empreintes. Bah écoute, c'est ce qu'ils disent tous. Je sais pas, est-ce que tu ressens un truc? Ah bah oui, mais toi t'étais pas là. La preuve décisive, c'était le conduit d'aération. Terminé, allez. Enfin, fini. Ah mais non, moi je sais pas quoi faire. Un peu décisif. Ouais, et puis il en a rien à faire. À moins que... Et là on va avoir un twist, hein, parce que je le sens gros comme une maison. Alors oui, j'ai une preuve irréfutable. Enfin irréfutable et encore. Bah c'est la fin, c'est la mort. Et ce qu'on va faire, parce que pour ceux qui ne le savent pas, notre cher ami Romain Latousse n'était pas vraiment mort quand nous avons entendu les coups de feu. Il nous a dit, un témoin, la sirène, a tout vu. Je vais donc appeler ce témoin, parce que le scénario le veut. Voilà. C'est tout. Et oui, car là, t'es quel retournement.
Et voilà. La scène parle d'elle-même. Pour l'instant, il n'y a rien de bien incroyable. C'est... Ah, il était vivant. Regardez ses yeux ouverts. Le témoin. Voilà, elle ferme sous témoin. Alors, le témoin ne voit rien au départ. Comment ? Oh mon Dieu, MDR ! Ah bah oui. Alors, j'en ai parlé, MDR. Mais non. Mais tu te fous de moi? Ah oui, j'ai pas encore dit qui c'était. Tout est que ça aurait coûté, voilà. Voilà, regardez bien. Voilà, la vente plus sévère que d'ordinaire. Hein, parce que monsieur Gaminer, voilà, monsieur Gavin... voilà. Alors, elle est où? Elle est là. C'était la Mirror. Voilà. C'est au bout de 20 minutes que nous allons enfin avoir un vrai procès. Enfin un vrai procès. Le témoin, c'est la sirène. Voilà, c'est tout ce qu'il dit. Elle ferme aussi aux sirènes. La sirène. La sirène de la balade. Et oui. Oh, excusez-moi si je mets un peu de temps. Non mais il te faut pas de moi. On appelle la Mirror, oui. Ah oui. Ah, Conrad, il avait pas l'air... Il a pas l'air... On sait pas trop. Mais évidemment... Être mystique. Non, tu t'es abstenu parce que ouais, une raison. Oh mon Dieu, mon vrai prénom est Janine. Ah, nous avons donc affaire à une personne amnésique. Ah, je sens que ça va être bien et qu'on va avoir le plot du... Oh, j'ai retrouvé la mémoire. Je sais qui j'étais avant. Oui, je m'appelle Brenda. J'étais... je sais pas, inventé métier pas super ouf. J'ai eu un accident, je me suis fait recueillir par Thomas. Et il m'a dit des trucs. Oh, tu mens. Vous n'avez rien à craindre dans cette salle. Oui, de toute façon... j'étais convoqué en tant que témoin, oui. Ah ah. Pas le tout, c'est mort. Alors, je ne vais pas vous faire... Mais tu... Ah. Bravo, je passe pour un connard. Ne peut qu'égayer cette salle. Alors, le témoin. Ok. Et c'est vrai.
Alors, vois-tu, là, déjà, il y a un petit problème, hein. Il y a un petit problème. Ah, mais écoutez, il y a un... moi, je vois qu'il y a un petit problème, déjà. Il y a un... Oui, bah, j'ai toujours le mauvais rôle, hein, écoutez, Mais oui, mais il y a un problème, il y a un problème. Alors nous, ça jusque-là, je m'en fous. Voilà, ça, j'en fous. Alors ça, tu vois. Ça, tu vois. Je n'en suis pas certain. Vois-tu, ah, c'est pas le... Voilà. Cette broche a été retrouvée sur la scène de crime. Ce qui fait que on sait pas trop si t'es revenu ou pas alors que c'était à toi, donc je ne sais pas. Voilà, déjà, ouais, déjà ça commence. Ah, ça commence facile. Ça commence facile, je vous l'accorde, ça commence facile. Oh non, la musique, au scu, non, arrêtez. Arrêtez! Arrêtez! Allez, vas-y! Waouh! Animation! Ah là là! Oh. Elle se fout carrément de ma gueule là. Bon, dommage. Dommage. Bah, qui c'est encore? Tu te fous de... Gavin! Gavin! Tu... Mais vous vous foutez de ma gueule. Mais j'en sais rien. J'ai même plus, moi. Ah, attendez, je sais, attendez. A priori, je sais. A priori, je sais. Non. Je vois pas. Elle est partie. Oui, parce que ça se tient. Ah oui, c'est vrai, ce moment où il y avait quelqu'un, mais que je ne sais pas qui c'est. Il y avait une porte, quelque chose, quelqu'un. Oh là là, oh mais c'est facile! C'est tellement facile! Le choc, le... Oh mon dieu! Qui c'est? Qu'est-ce que tu veux? Qui tu veux battre? Et bah il donc. Mais je ma voix n'est pas horrible, déjà. Donc calmez-vous, s'il vous plaît. Ouais, très bien. Ah bah c'est beaucoup trop facile, hein. Y a un piège. Ok, ajoute-le. Qu'as-tu vu? Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Quand? Où? Et là? Oh mais... Mais... Mais...
Le pouvoir de Wastes est activé. Mais attends une seconde. Comment tu sais que il était derrière un mur? Comment tu sais ça? J'active mon pouvoir. Où est ton point faible? Où est-ce que tu peux avoir un point faible? Au niveau des yeux? Les yeux? La bouche? Entendre. Qu'est-ce que... Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? I see it. Comment tu le savais? Comment tu sais comment tu savais ça? Tu dis qu'il n'était pas dans cette salle et pourtant tu savais qu'il y avait Monsieur le Tous. Qu'on lui avait tiré dessus. Ah là là, oula, une difficulté supplémentaire. Oh. Ah. C'est vrai que j'avais oublié cette demande de coopération qui me disait de ne rien dire aux personnes présentes. Dites donc. Comment tu sais autant de choses là, le miroir? Qui? Dis-moi tout. C'est exactement ce qui s'est passé. Ah, sous serment. C'est bête. Ouais. Allez. Ah. Yes. Un point pour moi. Ah là 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 là. Ah mais si. Ah là là. Ah ouais, oh, il va ajouter des trucs. Vas-y, remue bien là où tu es. Ah oui, mais... Tiens, J'en parlais au début de ces fameux impacts de balles. J'en parlais tout au début. Elle a bien dit les impacts de balles. Premier impact, je veux bien. Second impact, si on regarde bien, il y a un problème. Il y a un des deux qui va pas. Non, c'est trop facile. Non, ça va pas. Je le savais. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça ne va pas. Non mais... Je le sais que ça marche pas.
le schéma, regarde. Bon, il y a aussi surtout le fait que la porte, voilà. Sur le, voilà, c'est ce qui est un peu con, hein. Aussi. J'ai un problème avec ce schéma. Ah, c'est con la vie. Bon, là, tu te fous complètement de ma gueule, tu te fous de cette cour, tu te fous de ce procès. Si tu dis pas la vérité, je t'assure que mon client... Quoi qu'il arrive, je vais le défendre. Là, c'est bon, je suis remonté contre les murs. Non, mais dis-le moi si tu te fous de ma gueule. Oui. Oui. Eh, hey, tu me cherches, là, en fait. Tu me cherches. Mais c'est pas qu'il le faut, c'est que t'es obligé en fait. T'as zéro le choix. Genre vraiment. Alors. Ouais. Quoi? Un truc que je comprends pas. Monsieur Gros. Putain, même lui, il allait dire grand front. Il allait dire grand front. Cheveux. Lol, cheveux. Voilà, ça me... Je doute pas, je pose une question. Ah, j'ai raté, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, je suis allé un peu trop vite. Non, non. Voilà, c'est ça que je voulais attaquer. Alors, excusez-moi. Ça, ah, il y a une voix maintenant. Le schéma nous montre une image plutôt encombrée, exactement. Ah bah, oui. Ok, je te crois, je te crois. Hein. Enfin, je te crois. Je suppose. Je suppose. Oui, tu n'oublies jamais le roi. Une roi. Voilà. Ah bah. Oui, mais... je ne sais pas trop, écoute, hein, y a problème. Non, c'est, pour moi, il y a problème. Il y a clairement... Mais genre vraiment clairement un problème. Je vous le dis qu'il y a problème. Non mais je... C'est surtout ça le problème, c'est à moi d'être un homme fin,
ce qui n'est le cas que de Thomas. Et on vient de prouver que c'est pas lui. Enfin, pour le moment, c'est pas prouvé, mais je pense qu'on va le prouver d'ici pas longtemps, et je suis sûr que c'est pas lui. Oui, il y a des meufs. Bah, c'est... Et ça y est, Gavra, il y a une minute qui était non, mais son témoignage, tu vois, il est calme, tu vois. Et puis maintenant, non, mais il y a une contradiction encore. Et il y en a une autre que t'as pas encore remarqué en fond. Et heureusement que je suis là pour te le dire. Hein. Voilà. Une erreur. La sirène de la base. Ah là 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 là. Ah, mais. Mais je. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a à cette loge? Oui, qu'est-ce que ça se tient? Et maintenant t'es contre elle, lui. Pff, non, mais Gavin, Gavin, contradiction. Mais arrête de m'objectionner. Oui. Ah bah tout à fait. Et je suppose, je crois. Mais... Hey. Ah oui, d'accord. Donc, oui. Ok, très bien, je... Très bien, donc on va rien en tirer. C'est fini, allez. Fin... Terminé, voilà. C'est la merde. Ah, pas de rappel. Oh là 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 là. Mais regarde. Eh bien, elle en a marre. Regardez comment elle en a marre. Regarde. Ça se voit sur sa tête qu'Emma, elle en a marre. Ça se sent, elle en peut plus, elle est au bout de sa vie, elle veut que ça se termine. Oui, mais monsieur le juge, vous êtes... Oui, bon, ça on a compris. Ah oui, les fameuses circonstances. Alors, les circonstances de l'arrestation, hein. L'accusé, la victime, une preuve importante, enfin une guitare, hein, parce que la guitare de Dorian, j'avais oublié de la mentionner, qui ont été retrouvées sur une plateforme surélevée de plusieurs mètres. Ce qui veut dire qu'il y a quelqu'un qui a assommé Thomas, qui a transporté le corps, qui sait où c'est, qui a volé la guitare, qui les a mis au même endroit et qui a surélevé. Ça veut dire qu'il savait comment surélever. Voilà, comme ça. Ouais, le bon flair, hein, le flair... Ah, voilà, on veut savoir. On veut savoir. C'était une des questions importantes. Enfin, importantes. Oui, si, importante en fait. Ah, la musique.
Ouais, d'accord. Tu veux dire que le petit gamin, ce petit enfant, voilà. Tu veux dire que ce petit enfant avec ses petits bras, il a transporté 1 mètre de 2 mètres et sans doute 130 kilos de muscles. Et une guitare. Et il a su surélever une plateforme. Waouh! Et ben. La fameuse musique encore. Alors autant ça, c'était vachement cool. J'avoue quand même que là, il y a un effort. Un effort qui est bien, que je trouve assez classe. Qui a sans doute été repris dans, j'imagine, des séries. Ce qu'elle est sur un roman, un livre, une musique. Et tout ça, mais voilà. Oui, c'est vrai, exact. C'est vrai que Vérité a remarqué une corrélation. Voilà. Alors, déjà, non, il y a un problème. Non, mais. Ah, la musique, au secours. Ouais. Ouais. Vas-y, explique-moi. Vas-y, explique-moi. Ouais. Ouais, je continue à dire qu'il y a un coup qui est étrangement bizarre. Ah bah, la difficulté là est au niveau. Allez, 0,5. En même temps, il a des lunettes de soleil, qu'est-ce que tu veux faire? Voilà, j'ai envie de te dire. Oui. Eh oui. Ah bah c'est simple, faire une objection, parce que j'ai pas le choix. Exactement. Voilà, on est en train de tout balancer, tout balancer, tout balancer, tout balancer. Gros calibre. Et quand tu tires, en général, t'as mal. Enfin, tu recules et puis ça te fait un peu mal à l'épaule. Hein, tout petit peu mal. Et très petit, donc voilà. Puis il serait tombé, je suis sûr. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Oui. Oui. Bah non. J'ai jamais dit ça. Mais jamais. Est-ce que je viens de le faire? Ah mince. Là, la musique. La musique, au secours. Moi je vous dis que non, non madame la juge, je vous dis qu'il y a un problème, je vous dis que non, et j'ai une preuve madame la juge, oui, parce que
Si le tireur était aveugle, tu m'expliques comment ça? Vous êtes stupide. Vous êtes des trous du cul. Voilà, je vous le dis. Trous du cul. Je le redis encore. Trous du cul. Voilà. Ah oui? Bah alors toi, je comprends que t'en avais rien à foutre. Regarde bien cette preuve. Ouais. Ah bah, l'Axon. Regarde bien cette photo. Baissez le doigt. Ah bah oui. Ah, je vais te baisser le doigt. Mais je viens. La contradiction. Regarde bien. Regarde bien. C'est ça. Tu vois, ça, on l'a effacé. Donc clairement, le monsieur là, lui, le monsieur, il a écrit un truc. Peut-être un indice ou... je ne sais pas, quelque chose, le nom du tueur peut-être. Donc, s'il avait écrit que le tueur était aveugle, tu expliques comment il aurait effacé, hein, tu me le dis. Ah, regarde-moi ce mot, regarde ce mot. Bien joué, ou des traces de sang. Oui, des traces de sang. Waouh, mais même vérité, elle en déduit mieux que vous deux réunis. Je ne sais pas quoi penser. Je ne sais plus. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh là là. Bon, d'accord. J'essaye d'en venir. Tu n'étais pas aveugle, je sais pas. Ouais, d'accord. Ah. Ça y est, ça fait ting là-dedans. On a connecté les fils. On a connecté les fils. Ah, c'est fou ça. Voilà, c'était. Tu l'as dit il y a 2 minutes. Hein, rappelons-nous. Voilà. Va falloir arrêter de bouffer. Voilà. Voilà. Non, mais dis-le que tu t'es trompé. Écoute, ça arrive à tout le monde. Hein. Il rigole, je suis sûr qu'il rigole. Ah bah y est. C'est toujours comme ça dans le métier, hein. Les gens savent des choses. Non, pas la musique, on se voit faible. Non. Ah là là. Parce qu'il a des lunettes noires. Et moi aussi parce que voilà le nom.
Comment? Mais tu me fais des révélations, Gavin. Et une preuve? Moi je te demande une preuve. T'es sérieux de me dire ça? T'es sérieux de me dire ça? C'est quoi le vrai plaisir? Ah, jamais je vais vous vaincu là. Ah mais non, mais jamais. Ah mais non. Ah non, ça ne se finit pas comme ça. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, madame la juge. Remboursez. Regardez cet homme, il rigole. Il rigole. Arrêtez de vous chamailler. Oh là là. Je ne suis pas d'accord. Ah là là là. Ah. Et ce... Voilà, c'est ce plot twist. Ah là 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 là. Mais dis donc, dis donc. Ouais. Ah, El Famoso Nuinol. Je ne sais plus dans quel jeu des Ace en essai. Je ne sais plus, hélas. Non mais nous allons. Ah c'est moi qui dois le faire. C'est moi qui dois le faire. Très bien. Oui, il suffit de plus. Oui, explique-moi. Oui, allez, c'est moi qui fais. Allez. On va mettre du. D'accord. Oui, vas-y, explique-moi. C'est vrai que. Allez, voilà. Ouais. Je pense qu'on a jamais vu ça dans un tribunal. Ouais. Ah oui, alors. Obligé de le faire avec la souris. Ma souris, s'il te plaît. Pchit. 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 Clic. Clic. Je sais pas ce que ça veut dire. Jeune X. Oui. C'est. Non, c'est rien du tout. C'est. C'est. Je sais pas. XP. IPXX. Ah putain, nos chers amis d'Interpol. Encore. Souvenez-vous, même notre cher Benjamin Hunter s'est frité avec des gens d'Interpol. Enfin, il a rencontré des gens d'Interpol. C'était pas ouf. Même pas ouf du tout. Ah, non, au secours, la souris. D'ailleurs, vous avez un petit message de Flux. Flux, petit logiciel qui est bien. Mais... un peu chiant. Voilà. Ah mon dieu, Dorian. Ah oui. Et ce point là. Voilà, monsieur coupe phallique. Ah. Donnez-moi 30 minutes. Non, 5. Non, 22 secondes. Ah bah non plus. Ah. Mais ce serait
Un twist. Mais dis donc. C'est une vraie question. Alors ça, tu vois, c'est une autre bonne question. Lequel est-il, mon cher Gavin? Comment ça? Lequel est-ce? D'accord, évidemment. Pour être innocent, faible. Ah bah il le sait, évidemment, s'il le savait pas, il se tairait. Oula. Je suis pas sûr de ma conjugaison. Leur raison. Mais écoute, moi aussi je me pose la question. Comment ça? Comment ça? Voilà, il se passe des choses que je ne comprends pas. Ah, laisse-moi réfléchir une seconde là, parce que... laisse-moi vérifier mon dossier, s'il te plaît. Alors, bon, ça c'est à moi. Ça c'est à moi. Je sais pas, le badge sert à rien, les paroles, les cartes postales. Non, bah, la carte postale, non, le bouton de coopération, non, revolver, non, là. Ah, peut-être la broche. Si je la tourne. Peut-être qu'il y a une inscription derrière. Ah, il y a une inscription. Non, il y a un fil, peut-être. Non, il n'y a rien. Non. T'as pas de missiles, je s'en fous, pour tout ce que nous aura fait. Enfin, je peux pas voir plus. Non. Je peux pas voir plus. Ça se trouve, c'est une connerie. Genre, en fait, c'est des petites lignes en bas du contrat. Si c'est ça, mais je me... Non, moi je peux pas aller plus loin. Si c'est ça, je me marre. Si c'est vraiment ça, je me marre beaucoup. Donc on va dire que... Ah bah si c'est possible avec la carte Kiwi, si. Ah, ce serait marrant. Ah bah moi aussi, mais c'est chiant. Enfin, c'est chiant. Vite fait, quoi. Voilà, regarde cette carte postale au pif. Est-ce que... Ah, peut-être que elle était peintre, je ne sais pas. Thomas parle français? Parce que ce serait... Bah, c'est la seule explication que j'ai. Oh, le jeu vient de m'avoir. Oh, le jeu vient de m'avoir. C'est bon, le jeu, ça y est, il m'a eu. Voilà, le jeu m'a eu, c'est bon, he's ok, tout ça.
scandaleuse, vite fait quoi. Mais moi ce que je vois de scandaleux quand je te regarde, c'est ton talent dégueulasse pour le rock. Alors s'il te plaît, là tais-toi. Oui, c'est ce que je dis, peinture. Enfin, voilà. La Mira, on va faire revenir la Mira. Oui, depuis 40 minutes. Au moins. Ça fait pas pour toi. Ah, oh, je ne sais pas. Là, ce que je pensais. Moi je me sais que je pense que une histoire de perte de mémoire. Oui, et donc oh, c'est la Mirror qui a fait. D'accord, non ça y est, je... Ok. Ouais. D'accord. Ok. Ouais. Elle a rien vu. Genre vraiment. Je sais pas, des trucs, des machins, des bidules. Une question de stresser le témoin, regardez ce témoin, il est fragile. Certains. Entre autres.
Je ne sais pas. Moi non plus, personne ne sait. Ah, qu'il faut que je réfléchisse par moi-même, Gavard, j'ai compris. C'est-à-dire qu'il faut que je réfléchisse moi-même. Voilà. Oui. Ah. Ah, mince. Donc, si le... oula. Donc, ça veut dire que le témoin, c'est pas Anna? Enfin, que ça peut pas être Anna, du coup. J'ai froid? Il a dit j'ai froid. Ne voit... Oh. Deux... Oh, deuxième twist. Oh là là. Ah, j'avoue, là, c'est... Ah, c'est... le jeu m'a re-eu. Hein. Bravo, bravo le jeu. Fier. Bravo. C'était il y a moins 50 minutes, je m'en souviens plus. Oui. Ouais. Évidemment parce que t'es aveugle, bordel. Parce qu'il était pas au courant. Oh et merde. Oui, qu'est-ce qui se passe-t-il? On a retrouvé la trace du d'Interpol. Pour l'enquête, quelle enquête? Interpol, c'est bien ce que je pensais. Eh ben dis-nous tout, vas-y. Qu'est-ce? Et là, réveillé sur le violon, c'était Thomas. Ou alors c'est un impresario. Crescend. Attention. Voilà, c'est Dorian. Alors, vas-y. Est-ce que c'est notre cher Minoru? Le tous, pardon. Ah, vas-y, dis-nous tout. Dis-nous tout. Oh, oh là, je l'ai vu venir. Je l'ai vu venir, donc je suis à moitié intrigué. Enfin, je suis à moitié surpris plutôt. Oh putain, arrête avec cette coupe. Ah ah. Et oui. Exactement, une très bonne couverture. C'était une couverture. Oui. Ah. Elle est important, au téléphone qui sonne, je n'y répondrai pas. Parce que Balek. Ah, plus de téléphone. Attention. Ouais. Ok. Jusque là, ça va. Oui. Oui. Comment ça? Oh, c'est un twist? Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que tu veux là? J'en ai marre. Tu m'as... Non mais je ne sais pas, je ne sais plus. Mais tu m'ennuies. Allez, tu m'ennuies. Quoi? Oula. Non. 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 Remarque, ça m'étonne, moi. Ça m'étonne pas trop. Ah, t'es désaccordé.
Oh là 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 là. Oh là 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 là, c'est le troisième twist. Oh là 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 là. Ah bah journée, ouais. Oh là 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 là. Alors là. Alors là. C'est waouh. C'est fort. C'est très très fort. Pas loin de te dégonfler, mais fous-moi la paix. Vraiment, fous-moi. Ah là là, ah là 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 là. Alors là, bravo. Bravo, bravo. Non, mais encore une fois, le jeu m'a surpris, le jeu m'a eu trois fois. Il m'a eu trois fois et sur la fin. Ce qui sont les bons moments. Le début, bon, j'ai un bon souvenir, donc je sais ce qui se passe, donc le début est rapide. Par contre, le coup de la carte postale, c'est un pif. Total. Je me suis dit, tiens, peut-être une inscription, genre une référence de carte, un siret, un truc, un machin, un bidule, mais. Ouah, c'est chaud. Le coup de l'agent d'Interpol, j'y pensais pas, mais ça se tenait. Mais alors, le fait que c'est Thomas qui était voyant et la miroir non-voyant, déjà, ça c'est pas mal. C'est pas mal du tout, vraiment. Le fait que la Mirror a essayé de faire croire qu'elle voyait, sauf que non, bon, maintenant, ça n'a plus d'importance. Cependant, le truc qui me dérange un peu, c'est que Thomas, du coup, cache-cache, est-ce qu'il parle français, est-ce qu'il parle Borges, je sais pas le nom du pays, mais est-ce qu'il parle français, c'est la question. Et alors, le coup de Dorian qui part, qui était au moment des faits, avec le tous, ça par contre, j'avoue, c'est très très fort. Très très fort. Mais, vu que c'est un agent Interpol et que on a appris que monsieur le tous était agent Interpol, peut-être que il savait la couverture, peut-être que c'est.